On termine de manger et on va tous se préparer pour la soirée. Je vais me faire belle pour que ces deux débiles voient que c'est moi la plus jolie. Les meufs mettent 50 heures à se préparer. C'est le zéro, non? On descend entre mecs, on va voir le spectacle de l'hôtel. Mais il n'y a pas de nana, donc on va voir si l'une des filles tombe de la scène. Je veux un body comme ça. Il y avait plein de lumières, d'acrobates, de contorsionnistes. Ah, c'est trop bien! Le cirque du soleil maya, c'était ouf. C'était génial. Il y avait des contorsionnistes et franchement, qu'est-ce que je donnerais pour m'en taper une? Mec, c'est normal que je vois du sexe partout? Ouais, c'est normal, ça me le fait aussi. Ah ouais? Mec, tu peux la baiser et en même temps, elle te lèche les boules. Je pensais pareil. Je vais l'épouser. À la fin du spectacle, on a rejoint les filles. Les gars, avant toute chose, on boit tranquillement. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas là pour se battre. On est là pour s'éclater, hein, pour s'amuser. On forme une famille. Ouais, exactement. On prend soin les uns des autres, on s'amuse. On est déjà dans le bar, à boire tranquillement, en famille, c'est cool. On trinque, non? À nous, les gars! Les gars, à ces vacances de gros malades! On a fait chauffer les moteurs, direction Coco Bongo,